Ils sont venus des lobes. On a grillé pour eux des gras cochons, des chèvres, des bœufs. Autour de leur table, des tables, ils plongent les mains dans la viande huileuse. Les mains dans les corbeilles de pain. Ils portent les coupes de vin à leurs lèvres. Et de table en table, on nous donne pain, viande. Et bientôt, il arrive devant une ignoble antinomie. Toi, tu es habillé comme un prince. Alors, tu vas me donner plus que les autres, non? Antinos lui répond, laisse-moi manger tranquille ou tu vas finir dans la rue. Laisse-moi manger tranquille, sinon tu vas finir dans la rue. Tu es habillé comme un prince, mais tu n'es pas un prince. Hein, il rit! Il rit fort! C'est Athéna qui déforme leur visage de grimaces et il rit sans comprendre pourquoi. Et le musicien la aide. Moi, pendant 20 ans, chaque fois que j'étais devant cette porte, chaque fois que j'ai poussé cette porte, je me suis dit, ce soir, Ulysse, il va être dans le lit. Mais moi, pendant 20 ans, chaque fois que j'ai poussé cette porte, je t'ai jamais trouvé dans le lit. Alors ce soir, tu vas me faire plaisir. Tu vas te mettre dans le lit. Moi, je vais pousser la porte.